Tu peux le garder en vrai, Marie ? Oh bah oui. Ah merci, sympa. Mais pas usagé. Et ce soir ? Pas usagé, non mais... Et ce soir, chérie ? J'ai un cadeau. Petit cadeau. Marie Perardo l'a touché, ça vaut très cher. Oh oui. On ouvre ce journal avec l'info sommeil, les amis. En devenant parent, il faut s'y attendre, vous allez mal dormir, vous allez moins dormir. Non, vous allez plus dormir du tout, c'est un fait. Mais vous allez voir, on réussit tout à fait à vivre sans sommeil. La question est de savoir au bout de combien de temps on redort comme avant. C'est-à-dire, pas on redort convenablement, pas on redort bien, mais vraiment comme avant d'avoir eu un bébé. Jamais. La revue Sleep, une revue scientifique. Sleep avec deux œufs. Avec deux œufs, ouais. Si. Oui, parce que sinon, c'est la revue Sleep, c'est autre chose. Bref, ils ont... Ah, la revue Sleep. Je dirais que c'est un bon titre, hein. Oui, c'est pas mal. Sleep, une revue sur les slips. Non, mais vous voulez gâcher mon... Il n'y a personne qui fait ça chez Laurent Delahousse. Non, c'est vrai. Bref, la revue Sleep a mené une étude et le verdict est assez clair. Il faut six années pour redormir exactement... aussi bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces six... Ouais, c'est un peu ça. Je crois que malheureusement, c'est vrai. Sur ces six années, il y a une différence d'impact entre les pères et les mères. Si on prend un grand bilan des six années de sommeil qui suivent la naissance d'un enfant, selon l'observation des chercheurs, les mères sont les plus impactées. En moyenne, elles ont perdu 62 minutes de sommeil. Je dis bien que c'est le bilan, parce que dans les... effectivement, les trois mois après, on perd beaucoup plus que 62 minutes. Mais au bout de 5 ans, donc elles perdent 62 minutes. Les pères, quant à eux, ont perdu 13 minutes de leur sommeil. Ne vous moquez pas, c'est beaucoup déjà, 13 minutes. On souffre. Alors les causes du sommeil en moins, bien sûr, les pleurs, les maladies des enfants, les petites maladies de l'hiver, etc. Le stress, évidemment. Autour de la table, vous diriez que vous avez mis quoi ? 6 ans, on est là-dessus ? Moi, ça correspond, hein, parce que mon deuxième, il a 6 ans, et je me suis fait la réflexion, je me dis, tiens, je dors mieux. Ouais. Donc voilà. Ça. Imaginez les gens qui nous regardent, qui ont un bébé d'un mois, ils ont encore 5 ans. Encore 5 ans. Oui, mais c'est quoi, attendez, c'est pas que des nuits miteuses aussi, et puis il y a quand même... Il faut se faire aider par son entourage, n'hésitez pas, comme ça vous aurez des petits week-ends, des petits moments de... Quelque chose à ajouter, Marie ? Non, je me dis presque 8 ans. Mais parce que j'ai des enfants relous. C'est ça, il faut se remettre en question. Oui, c'est ça. L'info fécondité, s'il vous plaît. C'est un bien triste record du monde que détient désormais la Corée du Sud, celui du taux de fécondité le plus bas du monde, le pays qui a atteint le chiffre assez incroyable de 0,78 enfants par femme. Vous savez qu'il faut un chiffre supérieur à 2 pour assurer la stabilité, voire le renouvellement de la population sur le long terme. 0,78, c'est donc très, très bas. La Corée du Sud est le seul pays au monde à avoir un taux inférieur à 1, le pays qui tente de prendre des mesures pour inverser le phénomène. On y reviendra. Tout comme nous parlerons dans notre seconde émission, La Maison des Maternelles à votre service, de la fécondité en France qui est elle aussi relativement bas avec, on est très loin du chiffre coréen, mais tout de même, nous sommes en 2022 à 1,8 enfants par femme, ce qui pose de nombreuses questions, on y revient tout à l'heure. On termine ce journal. J'allais dire, ne comptez pas sur moi pour remonter ce chiffre. Voilà. Vraiment, ne comptez pas sur moi. C'est bon, il y a rideau là, on a fermé. Je crois qu'il y a rideau autour de la table. Ah, Benjamin, il y aura peut-être une petite... Non, c'est bon, rideau aussi. Non, mais nous, on a œuvré pour la société, à nous quatre. On termine ce journal avec l'info éducative. Get ready to go. Ça fait beaucoup. 11 enfants à nous 4. Et encore, on ne compte pas vos beaux enfants. C'est sûr, mais ça comptait. Non. 6, 10, 13, 15 dans ce cas-là. Je ne sais pas. Bon, bref, autour de la table, il y a beaucoup d'enfants. Il y a 15 gosses, les gars, autour de cette table. Tes spectateurs, on les a complètement perdus, là. Alors, la BBC, tiens, je pense que vous connaissez, c'est une petite chaîne de télé outre-Manche. Ils ont plusieurs fois essayé de me recruter, mais là n'est pas la question, c'est pas de ça dont je voulais parler. La BBC vient de mener une enquête pour distinguer les pays où il est le plus agréable de vivre avec un enfant. Ah. Parmi les critères, qualité de l'environnement, qualité du système éducatif, résultats scolaires, le nombre de parcs, d'espaces verts, de pédiatres, etc. Et alors, le verdict, la France n'est pas du tout dans le top 5. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. On retrouve le Japon, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande. Et les Pays-Bas, globalement, les pays du Nord sont bien classés. Ah, il y a l'Espagne. Regardez. Bah oui, alors l'Espagne est bien classée et la France est malheureusement... Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas délocaliser cette émission pendant quelques temps en Finlande? Ah bah moi je vais pas. On va peut-être aller en Espagne plutôt qu'Italie. Voilà, merci. On va aller en Finlande. Voilà, c'est ça. Non, on peut aller en Espagne. On peut aller en Espagne. Je demande à notre producteur. Non. Non. Merci, d'accord. Jérôme Caza. Comme d'habitude. On avait essayé l'île Maurice aussi, mais ça n'a pas marché. C'est bref. Bizarre. C'est bizarre. Hein. Ouais. Et on va se retrouver à Maubeuge, peut-être avec un peu de chance. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce JT.